pour les personnes qui nous suivent régulièrement sur ces petites vidéos, en passage, je vais quand même remercier Olivier pour son travail et pour ses remarques qu'il a mis sur, sur Facebook, hein, qui était quand même très gentil. Alors donc on a ressorti le pull rouge, hein, que vous avez peut-être déjà vu sur certaines vidéos. Et là, comme vous remarquez aussi, le pull est assorti aux lunettes. Voilà, c'est important, pour l'image. Donc, cuvée Amzell Gewürztraminer. Donc, je ne vous refais pas l'histoire de Amzell. Pour ceux que ça intéresse, regardez un petit peu en arrière. On a fait une belle vidéo sur le fait de changer de Zellenberg à Amzell. Vous regarderez. Donc, Amzell Gewürztraminer 18. Et donc, à l'image un peu de ces 18, hein, en Gewürz, hein, comme j'ai déjà dit par rapport au Mambourg, hein, les Gewürz c'était un petit peu généreux, hein, on a eu pas mal de raisins, donc c'est quelque chose qui est, bon, qui sent le Gewürz, hein, on ne peut pas dire que ça ne sent pas le Gewürz, mais l'avantage des Gewürztraminer, c'est une parcelle donc, qui est principalement exposée presque nord-nord-est. Donc, il y a 10 ans en arrière, 10 ans en arrière, les raisins, ou 15 ans en arrière, avaient des vins un petit peu de mal à mûrir. Là, c'est juste top. Ils sont en pleine mélange, bien mûrs, et on a cette aromatique, hein, mangue, un classique, un petit peu, un peu de litchi, qu'on peut trouver dans ce vin. Et, mais ce qui est intéressant, hein, c'est un peu le style de la maison, c'est toujours en finesse, il n'y a pas de lourdeur, hein, on peut très facilement... le prendre en apéro parce que la finale revient un peu sur une certaine fraîcheur. Alors, il y a un peu de sucre, hein, il y a un peu de sucre, surtout en milieu de bouche, mais comme je parlais avant de fraîcheur, on retrouve un petit peu ces notes d'agrumes, hein, surtout en finale, un peu mandarine, orange, voire un petit point de pamplemousse, hein, qui apporte de la fraîcheur, qui donne un vin qui est très agréable, hein, qui vous pouvez passer un bon moment entre amis. Allez, bonne dégustation, à bientôt.